Présente. Non? T'avais dit présente. Non, je présente pas. T'as dit que c'était toi qui présentais. Non, c'est moi qui ai investi dans l'émission, tu présentes. Bon, allez, vas-y. Je... Un, deux, trois. Papier. Voilà, c'est à toi. Vas-y, lâche-toi. Donc, on se présente Mathieu Madaignan. Merci. Voilà, je vais vous chanter une chanson de Noël. Qui va... Non, les gens s'en foutent. Mais si, présente-moi. Non, les gens s'en foutent. Je te... Mathieu, je suis pas connu, présente-moi. Mais justement, si t'es pas connu, il y a une raison. Tu vois, c'est mort pour toi. Voilà, on va vous chanter. Ok, mesdames et messieurs, Pomme Olaf. Merci, Mathieu. C'est Old Olaf, Pomme Olaf, ça n'a aucun intérêt. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents d'être ici un 25 décembre. Ouais. Quoi ? Enfin, si tu veux, à la base, moi j'ai d'autres choses à faire un 25 décembre quand même. T'as une famille, toi ? Non, ils sont morts, ils ont été mangés par un renard il y a 2 ans et c'était horrible. Voilà. Non, mais par contre, tu m'avais dit qu'on faisait Deniso, si tu veux. On fait pas Deniso, là. Oui, ben j'ai vu. On fait Drucker, tu vois pas ? C'est Drucker, lui, là. Ouais. Et c'est super de faire Drucker. Alors arrête, me laffe là. Non, c'est old on s'en fout. Tu sais, ce mec-là m'a donné ma chance à la télé, à la radio, d'accord ? Alors tu respectes. Il voulait pas Deniso en fait, c'est non, ça ? Non, il voulait pas. Alors. Et puis même, tu arrêtes, je vais te dire un truc, Alf. C'est old on s'en fout. Ce mec-là, tu vois, je le considère comme mon père, d'accord ? Bah oui, Drucker, c'est ton père. Non, les gens ne le savent pas. C'est un secret entre lui, François Scroquet et moi, ok ? Et puis je vais te dire un truc, orthographe. C'est old Olaf. On s'en fout. Grâce à moi, tu rencontres des gens connus, regarde. Jean-Pierre Coff, Claude Sérillon. Ça, c'est la classe. C'était vraiment pas possible chez Deniso ? Non, j'ai insisté, il voulait pas. Alors, et puis même si on cartonne là, cette chanson, on va pouvoir peut-être la faire chez moi, à Perpignan. Enfin, moi, je préférerais quand même qu'on reste en France pour l'instant, si on pouvait... Pas de vanne sur Perpignan, t'as compris ? Parce qu'ils nous regardent, là, Perpignan, d'accord ? Ouais, mais est-ce qu'ils nous comprennent ? Allez, on fait la chanson. Tu me fais un ré mineur, s'il te plaît ? Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Attention. 1, 2, 3. Yeah. Qu'est-ce que tu fous, là ? Bah, toi, j'essaie de m'adapter au public, voilà, je... On fait pas de Johnny Hallyday, d'accord ? On fait le chant de Noël, la chanson, ma chanson, d'accord ? Celle que j'ai écrite, c'est ça ? C'est ça. Attention, 1, 2... Attends, ce que je voulais, c'est qu'on commence par l'intro. Je me disais, tiens, je vais faire l'intro d'abord. C'est les petites idées que j'ai eues. Waouh, alors. Noël, Noël, c'est la fée. Sont très contents de découvrir tous leurs cadeaux, sauf si leurs parents n'ont pas d'argent ou qu'ils sont déjà dans leur caveau. Ne dis pas des trucs comme ça, il y a des enfants qui nous regardent. Ouais, sauf les enfants qui ne voient pas parce qu'ils sont aveugles. Ah ouais, ça, faut pas se regarder des terres, hein. Ça, je te promets que les enfants qui sont aveugles, ils peuvent pas nous voir. Hein. Ça, c'est pas possible. Et encore, je te dis ça, j'ai vu une émission hier sur TV5 Monde. Il y avait un ingénieur américain, Michael Fletcher, qui a inventé un système incroyable, une espèce de lunette comme ça qu'on se met. Et tu peux voir des ondes même dans le noir, c'est incroyable. Et... Bon, en même temps, lui, il a testé sur des rats, donc je sais pas si ça marche sur les... Bref. Noël, Noël, c'est la féerie de Noël. Noël, Noël, tout le monde s'aime à Noël. Tous les enfants du monde entier se donne la main pour espérer que tous leurs rêves se réalisent.
sauf si le dernier met le doigt dans une prise. En même temps, imagine la scène simplement. Que... tous les enfants du monde entier, tous, hein, la tranche 5-12 ans, comme ça, dans tous les pays, une chaîne gigantesque comme ça, ils font une chaîne incroyable de plusieurs millions de kilomètres. Et le dernier, quoi, plaf, les voit dans une prise de 4000 mégawatts, tu vois, l'usine de Limoges, comme ça, clac, et puis ils meurent tous. Oh là là. Ah, oh, les curés, ils feraient la gueule, hein. Ouh là là. Plus de matière première. La solitude. Youpi. Noël, Noël, c'est la féerie de Noël. Un traîneau. Noël, Noël, tout le monde s'aime à Noël. Ou presque. Le Père Noël viendra chez toi, que tu sois jaune, blanc ou ébène. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Si le Père Noël vote au FN. Noël, Noël, c'est la féerie de Noël. On danse. Noël, Noël, tout le monde s'aime à Noël. Joyeux Noël. Tout le monde applaudit encore. Voilà. Voilà une chanson qui tombe vraiment à pic à Noël. Très bien. Bonjour. Voilà, je vous enverrai le courrier. Merci beaucoup. Old Delaf et Mathieu Madénian qui sont sur scène ensemble dans le spectacle La Revue Kamikaze, qui porte bien son nom, à partir du 24 janvier. Ouais. On les applaudit encore.